Salut YouTube, bienvenue dans un nouvel épisode de Elden Ring. Rappelle-toi de l'épisode précédent, grâce à l'assistance miraculeuse de Vise, je suis venu à bout de mon ennemi. Enfin! Finally! Mais par contre, pourquoi je peux pas crafter là? C'est quoi ces conneries? Confirme l'aide miraculeuse de Vise. Mais tout ça, c'est grâce au sondage du chat. Hein. Sans le sondage, j'aurais pas pu me dire. Tu vois, s'il n'y avait pas eu le sondage sur le stream, j'aurais eu honte d'invoquer Vise, tu vois, vraiment. Ça, vraiment, je me serais senti mal, tu vois, je me serais dit. Ah, quand même, j'ai dû recourir à de tels stratagèmes. Mais bon, comme c'est le chat qui a décidé, bah. J'ai testé de pas OS le boss, mais il t'a tué les deux fois. Ouais. Le festival il vient pas encore? Alors le sondage est comment dire? Le sondage était parfaitement clair, hein. Le oui l'a emporté avec une très large majorité de 100%. Voilà. Même après le comète azur où je l'ai laissé à 10%, il t'a buté dans ton coin préféré sous la tente. Oui, putain, dégoûté. Oh. Ah, Gaël, vieux man. Tarnished are you? How did you slip inside with the gate closed? Un vote acheté, merci Ouyama d'être venu vite fait à ma demande. Et Vise pour lui-même. Et moi pour Vise. Merci à vous, grâce à vous. Voilà. Incidentally, do you like a good festival from time to time? Well, it's true. This fortress houses only the vanquished. But when the stars align, we celebrate. A war festival honoring the last battle and death of General Radahn, the mightiest demigod of the Shattering and bearer of a great rune. J'adore les festivals. Un vote acheté. Oh bah, tu sais, je fais pas forcément différent de nos élites. Hein. Fais des sondages qui ne sont pas du tout biaisés. Tout est tout à fait tout itatitatu. Hein, voilà. Il faut que je warp, c'est ça. Hein. Toujours pas. Il a dit quand les étoiles se seront alignées. Ça veut dire que je peux pas encore accéder au... Have patience. When the stars align... D'accord. Donc maintenant ça veut dire qu'il faut que j'aille à la Siofra, c'est ça? J'ai les nerfs, j'ai drop 60 items pour multi, mais comme c'était déjà fait... Pas juste un airlift, bah ça n'apparaît pas. Heureusement j'ai pas mes clés totales. Ah mais oui, bah du coup oui, forcément tu les as perdus. Oh putain. Oups. Bon attends, je vais récupérer ça là. Parce que ne pas voir la carte, ça m'angoisse. Donc c'était le nord-est.
J'en ai eu quelques-uns comme ça, je te les file au besoin. Ah oh, mais t'inquiète, au pire je peux les fermer aussi hein. Ça fera du contenu pour YouTube. Bon. Donc, il a dit quand les étoiles se seront alignées. Sauf que les étoiles ne peuvent pas être alignées. C'est lui. Il est pas dead. Bah, je peux craft, non. Parce qu'en fait, je peux pas craft et je sais pas pourquoi. What are you buying? Ah. Je peux pas craft. Fabrication d'objets, c'est pas accessible. Il me faut un objet pour ça. Faut acheter le kit, ouais. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait une connerie dans le genre. Mais du coup, c'est qui vend le kit? C'est Calais? Bon feu avec le premier marchand du game, ouais. Calais. Il était... Où? Là. Attends. Hop. Wait. Well, you're back. Ah, bah voilà. Effectivement. Et il en vend, salaud. Bon, je vais en crafter du coup. He's boorish, blunt, and couldn't find his nose. I think that... I'm glad you took my... You've made it. Mille runes, l'item. J'en ai perdu 60. Alors, les remèdes de Bertie Crochu. C'est des Flora Mundis, c'est bien ça. Oh, vas-y, tu sais quoi, j'en crafte 19, comme ça j'en ai. On sait jamais quand est-ce qu'on aura un nouveau besoin d'un petit 1. Voilà. C'est 2 pour 1 l'item. J'ai pas regardé. Je crois que c'est ça, ouais. Attends. C'est ça, 2 pour 1. 2 for 1. Comment je fais pour virer le repair? Supprimer tous les repères. Bon, je vais aller à la Siofra. Les étoiles alignées, ça peut être que ça. Ça peut être que ça. C'est sûr que c'est ça. Je ne tolérerai aucune contradiction par rapport à cet état de fait que je viens d'énumérer. Il faut aller à la Siofra pour débloquer le combat contre Adam. Hein, voilà. C'est surtout parce que j'ai envie d'aller à la Siofra. Un endroit simple. Hein. Par contre, il faut que je retrouve où était l'ascenseur. Je suis pas obligé d'aller à Siofra River. Si, obligé. Sans ça, on peut pas continuer le jeu. Tu l'avais fait celui-là? Non, hein. Ah,
Ah, c'est le fameux où il t'accueille à bras ouverts. Du Lurnia. Ouais, je vais explorer un petit peu. On a que ça à faire. À quoi aller une mêlée manuelle de guerrier? Je sais même pas. Je les achète depuis le début, mais j'ai même pas compris. Tu sais, tu dois aller au châtel où t'as les mobs mains. Ah oui! Right. Je me rappelle de ça. Les petites mimines. Les manuels te permettent d'augmenter les items que tu peux craft. Tu fais ça toi, salaud. Voilà. T'apprends moi. Moi je te crêpe moi. Si tu veux faire des flèches empoisonnées, il faut loot le manuel correspondant, puis farm les items et après tu peux les craft. Ah ok. Ouf. Je continue à les acheter, hein, de toute façon. Médaillon de Dectus. Ah, bah je peux utiliser le grand ascenseur de Dectus maintenant. Voilà. Si tu veux craft les boulettes qui virent le Crimson Rot, faut le manuel pour. Ah, ça par contre, ça m'intéresse. Parce que la pourriture écarlate, c'est chiant. C'est l'angoisse. C'est le malaise. Ok, ça c'est fait. Ah bah il est là le machin, je vais le mettre en repère. Voilà. Donc... Nord-Est... Lyurnia. Ok. Donc je vais... Je vais pop là. Hop là. Nord-ouest. Ah! Ah oui, le truc du coup à gauche que j'ai pas découvert. Ça là. Nord-est, c'est LTP. Mais j'ai temps pour te dire où il est. T'inquiète, on trouvera déjà. Ah
en reste surtout la grotte impérative. Ça veut dire quoi la grotte impérative? Genre la grotte qu'il faut absolument faire ou... Ah, impérative à faire et qui est marqué sur ta map, dessiné comme une cave rouge. C'est quoi ça? Ça là. Il faut qu'il se dise shit. Shit. Mais pute! Tu vas me laisser attaquer maintenant? Suffit, hein? Voilà. Pardon? Excusez-moi! Ok! Le marchand l'item, elle te vend les pierres de forge infini, niveau 1 à 4. C'est bien ça. Putain d'écrevisse! Et après, t'as la V2 de l'item dans une autre grotte pour acheter à l'infini pierre 5 à 10. Oh, ça me paraît un peu trop cheaté par contre. Je vais vraiment de faire le... D'accord. La fin du game, c'est de trouver tous ces items, tu peux bailler à l'infini des pierres pour maxer tes armes. Bah... Ouais, mais que tu puisses en acheter à l'infini des pierres jusqu'à niveau 10, quand même, quoi. Oui, enfin, c'est bon, late game, t'as de quoi farmer, hein. Mais t'as des spots pour farmer, normalement. Genre, des albinorix rouges sur la falaise. On connaît. Comment on fait pour monter déjà? Et si tu veux mettre une arme en plus 24, tu peux le faire. T'es limité que pour les plus 25 armes normales et plus 10 colo. Non, on peut pas monter. Pourquoi il y a plein de taches de sang ici? What the fuck, c'est quoi toutes ces taches de sang ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ah d'accord, bravo. Pied des 4 Beffrois. Mais je suis con ou quoi? Putain, j'y étais, 4 Beffrois, et je me casse le cul à faire tout le chemin là. Débile man. Mmh.
Ah, normalement, il y a Iji qui est pas loin. Iji KLM. Smithing Bell Bearing. Et tu donnes à la vieille marchande à table round. Hawk. Wesh. J'ai... J'ai même pas eu le temps de... Quoi? Oh, tant pis pour les âmes, c'est loin, flemme. Pourquoi ils sont vénères, eux? Les géants sont des mages. Ah ouais, à tel point qu'il a même pas... Il a juste eu à me regarder, quoi. Putain, des pétettes chercheuses. Mais voilà. Oh, le petit bétard. Ça, t'as 4 Smithing Bell Bearing et la première est à Lyurnia dans la cave rouge à côté du pont au nord de Rael Ocaria. Ok. Oh. Aïe, mais qu'est-ce que... Où toi? Où toi là tu vas? Tu vas souffrir. Voilà. Tu fais quoi là? Caillou sanguin d'albinorique. Hésite pas à spammer ton hache à voir. Ouais, mais j'ai pas assez de mana pour pouvoir le spammer. J'y arrive, hein. Valérius, c'est un good guy, son ennemi se buff, il le laisse car il est fair play. Ouais, c'est un peu ça, ouais. En fait, pour l'explo, pense vraiment à mettre des marqueurs sur ta map, sinon tu te perds, EX. Ouais,
Mais c'est pas grave, ça fait du contenu pour YouTube. Tu sais, j'avais pas... J'étais pas parti pour me dire que ce let's play ne ferait que 45 épisodes, hein. En vrai, il va en faire beaucoup plus. C'est... Genre là, t'es à l'opposé. C'est pas grave. Fuck. Qu'est-ce que... Ok. Là, par contre, il y a urgence lapin. Je reviens. Qu'est-ce que vous faites là? Non. Allez, hop, pousse. Toi aussi là. Hop, allez. Ah, non. Bien. Ils sont juste allés là où il faut pas qu'ils aillent. Même moi avant avec deux marqueurs, je me retrouve à l'opposé en mode arrêt. C'est la Bunny Emergency. Voilà. Oh! Un cheval! Hop là! Hop là! Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu te relèves? Non. Ça pour une tranche de viande. Voilà, madame, elle est pas contente que je lui ai bloqué l'accès à un endroit et elle continue de faire des bêtises. Non mais elle est sérieuse, elle a réussi à me dégager. Putain de merde. Toi dans cette caravane, t'as la Carrion's Night Sword, épée de mage. Moi j'ai surtout une idée à prendre. Bon, je reviens. Bonne Emergency 2. Thank you.
comme ça. C'est bon. Normalement là, il est ok. Une pensée à ceux sur YouTube qui ont dû faire avance rapide car la vidéo n'est pas éditée. Si, si, ce sera coupé au montage, t'inquiète. Ah! Ils sont en train de pioncer un coup. Bon, on va les réveiller, moi. Putain! Ah d'accord! Mais quoi? Bon, voyons voir. Eux aussi, ils ont bien bugué. Oui, oui. Épée de chevalier de Caria. Voyons voir la gueule qu'elle a. Yes. Oh. Putain, j'avoue, elle est stylée. Que j'utilise dans l'early avec tous mes mages. Ouais, essaye, essaye. Ah, eh, ça passe plus maintenant, hein. Ouais. C'est mieux que de farmer l'autre épée en bois là dans le château à côté d'Iji. Voilà, là on commence à avoir une carte qui ressemble à quelque chose. Aïe, il y avait pas un sous-sol ici? Ah non, apparemment pas. À moins que... Ou peut-être pas. Voilà. Well, look at you. I presume you are tarnished. I presume you are tarnished. Oh, pardon me. Eh, hey, c'est la même épée que moi. Et... I am E.G. a blacksmith once, an old codger who refuses to retire. Yes, oh, here I am. Perhaps you'd like. Le mec il fait un saut du démon plutôt que taper dans le faux mur, pas le temps moi. No time! Ain't got no time! C'est des combien qu'il faut? C'est des pierres de forge 3. Il en vend lui? Yes! Alors je vais faire ça comme ça. Something. J'en ai toujours. Attends quoi?
C'est des pièces de force sombre, connard. J'ai pas lu, merde. Ah, c'est bon, ça arrive. Hein. Ah. C'est bon, c'est pas pour rien qu'on m'appelle avec le man. Bah tiens, bah j'ai le titre de la VOD, tiens. Avec le man. Ah. Ça faisait longtemps d'ailleurs que j'avais pas nommé une VOD avec le man sur cette chaîne. Ça faisait au moins deux let's play. Voilà, maintenant elle a compris que ça sert plus à rien de vouloir trespasse. Donc elle est étalée, elle est posée, tranquille. Décision de génie sur décision de génie. Mais Hein? Voilà, est-ce que tu t'attendais vraiment à autre chose? Moi je m'attendais à rien d'autre. Et pourtant, ça fonctionne. Dis-toi que ces pierres de forge sombres là. Ces pierres de forge sombres là que j'ai achetées. Dis-toi qu'un jour, elles me serviront à quelque chose. Elles seront utiles. Et le jour où elles le seront, je serai là. Tu te rappelles le jour où j'avais acheté par inadvertance? Des hard runes pour acheter plus de pierres sombres plus tard pour ta Dragon Slayer. Ah, ça va, hein. Tu peux rigoler, merde. Hein? Ah oui. Pardon? Mais quoi? Merci. Tu vois, c'est un investissement, et là, après 70 heures, j'ai mon retour sur investissement, tu vois, tu parles. D'ici à ce que j'ai le retour sur investissement, j'aurais oublié. Je serais là en mode, est-ce que j'ai des pierres? Ah ouais, j'en ai. Oh, j'en avais sûrement looté quelque part. Bon, je m'en rappelais plus. Je vais mourir. Au secours! Ah, tiens, des pierres de force sombre! Tu vois, eux aussi, ils en doutent. C'est qui ça? Par contre... Fuck was that? Besoin d'un coup de main. Ah oui, hein, quand même. Par contre, sur le boss de la zone... voilà. On verra, mais... Je pense qu'à un moment donné, ma patience... trouve une limite. Une hard limite. Piège au sol, mine. Dommage qu'en tant que joueur on n'a pas accès pour le PVP sur dépense, ça aurait été merveilleux. Putain, j'avoue. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ça peut balancer des sorts! Mais fuck you too en fait! Non mais oh! C'est quoi ce fuck magique qui me balance là? Vierge de Forge Sombre 3. D'ailleurs, c'est pas logique parce que les pierres de Forge Sombre, elles sont claires au niveau du skin. C'est pas
pas logique. Les pierres de forge normales, elles sont plus sombres que les pierres de forge sombres. D'où ma confusion de tout à l'heure. Ouais, ils y vont pas de main morte. Humour, j'adore. Oh, ah oh, ah oh. Il est pas mal gâché. Mais what the fuck? Elles sont sombres, pas plus sombres. Ça veut dire qu'elles sont edgy. Moi, ta mort est pas loin de la grâce. Ouais. Mais ça veut dire aussi Taïo. Tu vois, pierre de forge, regarde, elle est sombre. Alors que les perches de forge sombres, elle est blanche, ça n'a pas de sens. Tu sais quoi là-haut? Mais putain! Je vois des petits ongles qui dépassent là. Mais quoi? Ça, what? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le problème? J'ai pas mis le B-word. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? T'as un mot qui a été banni? Message bloqué. Sérieux? What the fuck? Attends. Comment on fait déjà pour voir le truc de la modération? Message supprimé, vue détaillée. Je sais pas comment on fait pour voir. Oh là, j'ai capté. Qu'est-ce qui se passe? Putain, qu'est-ce qu'il a? Il est en train de s'ambiancer tout seul dans son coin. Le message, c'est ça. S. Quand tu lis la description, Intel, ils se sont plantés d'adjectifs. Sauf que j'ai mis un S à lui. Et Radius a mis à ban ce mot. Mais quel génie!
Quel génie! Il a banni un verbe. Si j'écris Crusader suivi de King aussi. Putain, Crusader King. Ce jeu du mal là. On peut l'écrire maintenant. Oui, c'est CK 3 et CK 2 qui ont été bannis. Mais CK, je crois que c'était. CK 8, 2 et 2, 3 aussi. Big Cog 2, quoi. Ça y est, il est en train de tester les limites du chat. Péter le système. Down with the system. Ça, j'attends le résultat. Oh! Allez, salut. Paf! Scar, mon frère. Long live the king. Mowgli, non, quoi? Oh là, il fait des mix bizarres, lui. Mowgli, lui-même, le demi-frère adoptif de Pampan. Fermé pour drop mon épée, l'enfer. Et c'est là que je la drop first frame, t'sais. Histoire de bien me dégoûter. Non, c'est une herbe. Oh, please, no. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Non ? En fait. Avec le géant chiant early où t'as pas de life. Comme ça tu pourras me donner. Préférence sur un pont comme ça, l'épée drop à travers les lattes dans les abysses. Ah oui, 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 oui. Ça, je m'en rappelle, ça. Ça, tu t'en rappelles aussi. Ah putain, ça, c'était... Ah, c'était magique, ça. C'était... Ah...
Et merde. Oh. Putain! La lame bleue. Bon. Les loups, ils vont tous mourir. Ou non. Oh mais putain, je spamme le bouton d'esquive. Les loot, merci. Into, tu vois, j'étais parti dans les abysses. À Skip, le boss perd 50% de sa life si tu casses tous les sièges avec tes roulades. Ah, moi, il y a une effigie de Marika juste à côté. Ça c'est fait. Je pensais que ce boss me ferait beaucoup plus galérer. Hein. C'est un boss que tu peux tuer en étant level 8 aussi. Ouais, ouais, ouais. Hein. Y a pas de petit profit, hein. Ok. Très fier de ma performance et c'est pourquoi YouTube, merci d'avoir regardé cet épisode, on se retrouve dans le prochain, salut.